On va refaire l'entre-deux. Allez, c'est parti dans la chaude ambiance d'Istanbul. Il y a tout ce qu'il faut dans ce derby. Il y a de l'enjeu, il y a un historique, il y a des petites histoires en plus dans ce match. Fenerbahçe regarde en haut. L'Anadolu Efes Istanbul, actuel 10e et dernier qualifié pour le play-in, doit encore gagner au moins ce match pour assurer sa place. Quoi qu'il se passe, ça ne sera pas fait ce soir. Will Clyburn qui y va, il était attendu près du cercle. Elle remonte dans la raquette. Nikalates essaie de profiter de la place faite par Shartak Shanli et il vient sanctionner ça d'un panier à 3 points. Clyburn sur un pied, joli ça, Will Clyburn. Larkin. Golatz, il est complètement seul. Il va marquer à 3 points. Jonathan Motley. Marco Guduric qui manque de perdre le ballon. Scottie Wilbekin le récupère à 3 points. C'est le deuxième panier du match seulement pour Fenerbahçe. Les deux à 3 points. Shane Larkin. Oh, et ben voilà. Allez, moins de 2 minutes à jouer dans ce premier carton. Et Marco Guduric qui met du rythme, beaucoup de rythme tout de suite. Il s'est fait mal. Il a marqué et il va avoir un lancer bonus. Alors, on va regarder son pied. Moi, c'est le pied droit. Alors, c'est le gauche. La petite entorse. Marco Guduric. Avec Cestina, à 3 points pour bien démarrer le deuxième carton. Ça y est, Fenerbahçe dans son derby. Rodrigue Beaubois qui perd le ballon en route. Que de petites erreurs dans ce derby. Marco Guduric. Oh, c'est fort ça, Guduric. Il est allé tête contre tête en 1 contre 1. Bien présenté, bien coupé, Nate Cestina qui fait une belle entrée en jeu. Bogdan est entré. Ah, le système pour libérer Papayanis. On sait qu'il peut faire mal de loin. Bjornis qui ressort, Papayanis, la feinte. Wilbekin. Scottie Wilbekin est loin, ça y est. Il a enfin trouvé la distance, Scottie Wilbekin. Ballon capté par Yorios Papayanis, intercepté par Darius Thompson. Il y a un 3 contre 1. Thompson qui passe avec cette élégance pour finir en déposant le ballon contre le plexiglas. Ah, c'est bien attaqué, parfaitement exécuté ça. Avec le relais de Tyreek Jones. Il y a eu du contact, il faut le reconnaître quand même. Papayanis. Oh, la grosse faute. Et pourtant il marque quand même. Papayanis, l'homme de ce deuxième carton. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Tyreek Jones, il aurait dû en mettre plus pour empêcher le géant grec de scorer. Mayburn sur la tête de Tyler Dorsey. Oh là là là, il est resté chaud. Il est resté concentré. On l'a vu tout à l'heure à l'image. Il était dans son monde. Wilbekin avait couru devant. Était servi. Oh, Papayanis qui avait bien suivi pour remettre le couvercle. 1 minute à jouer avant la pause. La mauvaise passe, la mésentente. Et Papayanis qui est partout. C'est lui qui mène la contre-attaque derrière. Attention, Nigel Hayes Davis. Oh, quelle est belle cette action! Le ballon pour Fenerbahçe avec ses 4 petits points d'avance. Papayanis qui avale un nouveau rebond. Nigel Hayes Davis servi par Nikalates, la filoche pour démarrer le troisième quart. Larkin. Le travail de Larkin pour trouver Tibor Pleiss. Il n'a pas lâché l'affaire. Shane Larkin, il avait un plan en tête. Ici est tenu, il a été jusqu'au bout.
Oh. Ah oui, eh oui, eh oui. Ne dormez pas sur cet homme, Ercan Osmani. Il ne demande pas grand-chose, mais il prend tout ce qu'on lui donne. Laisser de la place à son coéquipier, Justus Solats. Ballon qui vit bien, qui bouge bien, et à la fin, c'est une ficelle qui claque. Rien à voir, un sacré paquet d'ici à la fin du match. La réponse, oui, la réponse, Scotty Wilbekin. Shade Larkin, insaisissable, Shade Larkin dans ses œuvres. Wilbekin, quelle fixation parfaite de Scotty Wilbekin. Yann Otourou. Rodrigue Bobois, Otourou qui va pouvoir s'élever. Et le dunk. Selon les arbitres. Oh oui, Shane Larkin qui nous régale là-dessus. Clyburn. Oh, quel panier de Will Clyburn. Lancé en revanche et loupé derrière. Un point d'avance pour Lana Delou. Oh, c'est gourmand. Et qui était là? Yorios Papayanis. Papayanis se rapproche. Ah, il aurait peut-être dû la shooter, Papayanis. Attention sur la contre-attaque, Clyburn. Oh, il a marqué quand même. Le circuit shot exceptionnel de Will Clyburn avec la faute. Regardez, ça part de la mauvaise passe. Derrière, on se projette très vite devant sur le jeu rapide. Il a bien l'épaule en avant. Complète. Shane Larkin. Oh, c'est magnifique. C'est absolument splendide là ce qu'on est en train de vivre. Rodrigue Bobois. Otourou. Oh, qui marque. On voit qu'à la tête au sol, qui va avoir la faute. Le long. Transfert Wilbekin. Prend pas le tir. On va chercher Motley qui se fait contrer par Dan Otourou. Oh, le deuxième contre. Et le ballon récupéré là par Will Clyburn. Quelle double action défensive. Alors que Lana Delou recevra à la maison l'étoile rouge de Belgrade. Un tirage plutôt clément pour la dernière journée. Marko Guduric. Scotty Wilbekin. Le mismatch. Il est face à Dan Otourou. Wilbekin. Otourou qui tient bon. Oh, il va marquer Wilbekin. Complètement reculant. Il était à deux doigts de reposer les pieds sur le parquet. Avant de marquer ce panier si important, c'est son premier tir à deux points du match. Larkin, Rodrigue Bobois. Il est énorme. Il est énorme, Rodi, avec ce tir à trois points. Même si c'est pas terminé, il reste encore 40 secondes. Il peut se passer encore pas mal de choses dans cette partie. Ce qui est sûr, c'est que le Fener doit scorer avec Marko Guduric. Oh là 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 là, c'est tout ce qu'on aime. Il nous régale. Ça peut être la possession du chaos avec Shane Larkin. On va aller au bout des 24 secondes. Shane Larkin, juste avant que la lumière ne s'allume. Il est incroyable. Derrière, en première. Attention, ça entre. Tarik Bibirovic. Un point d'écart, 6 secondes à jouer. On fait faute, bien sûr qu'on fait faute sur Elijah Bryan pour l'envoyer au lancer franc. 3 secondes, 8 au chrono derrière. On a déjà commencé par mettre le premier. Il n'a pas raté un seul lancer. Il manque son lancer franc. Le deuxième est dedans. La balle du match pour Angeles Davis qui s'élève. Ça passe à côté et c'est Lana Delou FS Istanbul qui remporte ce véritable thriller. Le derby d'Istanbul est pour Lana Delou et c'est une victoire lourde de conséquences parce qu'elle assure ce soir à l'FS de rester à la 10e place, même s'il faudra valider ça la semaine prochaine. Ils ont leur destin en main.